Bonjour et bienvenue de nouveau sur ma chaîne YouTube. Ici, je vais vous montrer comment installer le WhatsApp étant du vert au WhatsApp bleu. Alors, comment ça va se faire? Vous allez d'abord, premièrement, aller dans votre WhatsApp ancienne version. Vous allez sauvegarder toute votre historique, ensuite désinstaller votre WhatsApp et vous allez insérer le lien que je vais vous montrer dans la description de la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas à laisser un petit abonnement et activer la cloche de notification et aller au bas de la page pour laisser un commentaire. Premièrement, bon, ici, moi, je l'ai déjà installé mon nouveau WhatsApp que vous allez apercevoir au bas de la page. Que voici là. Voilà, voilà, vous le voyez là. Donc, je vais juste cliquer dessus et m'enregistrer. Donc là, je vais insérer mon numéro de téléphone. Voilà, et ensuite, valider. Voilà, il devrait plutôt apparaître là. Donc, n'oubliez surtout pas à sauvegarder l'historique de vos notifications, de vos messages, photos, vidéos dans les paramètres de WhatsApp de l'ancienne version. Ensuite, désinstaller l'ancienne version. Ensuite, vous partez télécharger une nouvelle version. Et cette version, c'est un WhatsApp bleu appelé WhatsApp Plus. Voilà, je valide mon numéro de téléphone et je vais recevoir le message en code à 6 chiffres. Et voilà, 99. Là, je récupère ma sauvegarde que vous voyez tout juste là, je clique sur ouvert. Ma sauvegarde est en cours de restauration. Ici, je vais pouvoir récupérer toute mon historique de messages, conversations, vidéos, photos, tout. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like et à vous abonner à la chaîne YouTube. Et activez aussi la cloche de notification pour rester informé. Voilà, ma sauvegarde est, ma restauration est complète. Maintenant, je clique sur suivant. Ceux qui ne me connaissent pas, je me prénomme l'ami. Un peu embelli. Voilà. On clique sur suivant. Maintenant, la restauration tout à l'heure. Vous allez voir, c'est extraordinaire, c'est plus. Ici, vous avez l'ajout de plusieurs fonctionnalités. Vous avez le mode avion dans WhatsApp. Vous pouvez bloquer les messages de votre WhatsApp et être toujours connecté dans des autres réseaux sociaux. Vous allez voir, c'est très, très formidable. Suivez bien cette vidéo du début jusqu'à la fin pour ne pas commettre d'erreurs. C'est pas compliqué, c'est très facile. Voilà, vous allez bientôt apercevoir. Voilà, voilà le message qui arrive.
Donc vous voyez la fiche. Si vous avez cliqué sur jamais, comme moi. Terminé. Cliquez sur close et voilà la nouvelle version de WhatsApp. Le WhatsApp Plus, vous voyez que ici j'ai récupéré tout mon historique de communication, de conversation, photo, vidéo, tout. Vous voyez là le menu de paramètres. Donc ici, si vous voulez modifier le fond d'écran, galerie, tout, pour votre WhatsApp, c'est ici. Vous allez juste à télécharger et ici, si vous le trouvez toujours dans l'ancienne version de WhatsApp. Par contre, je vais vous montrer. Vous pouvez toujours avoir le lien de téléchargement de la nouvelle du WhatsApp Plus qui s'affiche tout juste en haut de l'écran. Tout juste à la fin de cette vidéo, vous cliquez sur le lien qui va s'afficher tout juste en haut à gauche de moi, mais à droite de vous, à droite de l'écran. Vous voyez des changements. Et nous allons cliquer sur plus settings, plus de paramètres, la première ligne en haut. Voilà. Plus de nouveautés dans cette version WhatsApp, vous allez voir, c'est simple, c'est pas difficile. Faut seulement suivre les instructions décrites dans cette vidéo à la lettre. Ici, vous pouvez choisir plusieurs thèmes pour votre WhatsApp, clavier, tout. C'est formidable, fantastique. Vous voyez. Vous installez le thème qui vous plaît. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant de cette version de WhatsApp, je vous recommande d'essayer.
avait plus de 4000 thèmes. Thème, suffit juste de choisir le bon, celui qui vous convient le mieux. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la fin.